Et pour employer un mot, j'ose à peine le dire, mais je ne sais pas comment on le dit en français, mais... Jacques Toubon me corrigera. Je vais profiter du fait qu'il n'écoute pas. C'est le marketing. Non, j'ai rien dit, là. Parlez-vous franglais ? J'aimerais que vous me fassiez un travelling au Zoom, de façon à avoir un bon close-up, hein, un bon close-up. Les mots que nous appelons des anglicismes viennent de l'anglais, certainement, mais d'un anglais particulier, qui est celui qui est parlé aux États-Unis d'Amérique et qui est la Californie. Trouver des équivalents en français, est-ce que c'est possible? Vous savez, les Canadiens font ce travail-là, parce qu'ils se sentent très menacés par l'anglais. Et ils ne disent pas « pressing », ils disent « laverie ». La situation du Québec est particulière. Pour nous, parler français, c'est un acte politique. Je crois que c'est une question d'équilibre. Si vous voulez me faire remplacer week-end par vacancelle, je pense que la réponse est non.